connectez-vous rapidement, connectez-vous Afrique de Liberté, connectez-vous, chers amis, connectez-vous, mesdames et messieurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers africains, chers africaines, chers peuples d'Afrique, je vous salue. Je vous salue donc depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se déroule très bien. En cette journée de mardi 20 février 2024, partagez-moi massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. Et si c'est la première fois que vous êtes ici sur cette plateforme panafricaine, il faut tout simplement commencer par vous abonner. Abonnez-vous et ensuite activez la cloche de notification pour ne rien raté de tout ce que nous publions ici sur Côte d'Ivoire 2020, votre chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Alors, ce matin, chers amis, on va rapidement rentrer en profondeur et vous expliquer certaines choses. Chers amis, voilà, ce matin, on va vous dire ce qui se passe actuellement à cet instant T entre Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce que moi je le dis toujours, hein, voilà, il faut savoir faire la part des choses. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a un souci, qui a un problème avec le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Mais c'est plutôt Alassane Dramane Ouattara et ses moutons. Alassane Dramane Ouattara et ses Kodjougou. Ce sont eux qui ont eu souci avec ces différents pays. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que c'est au nom de la Côte d'Ivoire que Ouattara est en train de faire toutes ces choses. Mais ne voyez pas les Ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara, parce que il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Ça là. Je ne cesserai toujours de le répéter pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de nos frères et sœurs panafricains, africains. Les Ivoiriens eux-mêmes là sont en prison. Les Ivoiriens eux-mêmes dans leur propre pays n'ont pas cette liberté. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. La Côte d'Ivoire des Ivoiriens est prise en otage. Et Alassane Dramane Ouattara utilise cette Côte d'Ivoire comme bon lui semble. C'est pourquoi il dit toujours que les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les frères et sœurs maliens ou burkinabés ou nigériens. Les Ivoiriens n'ont aucun problème avec qui que ce soit de la sous-région. C'est Alassane Dramane Ouattara, plutôt avec ses partisans, ses moutons, ses Kodjougou, qui ont un souci avec vous. Et d'ailleurs, ce qui est marrant dans tout ça, c'est-à-dire que ce qui est en tout cas bizarrissime, inadmissible, c'est que c'est vous-même là. C'est vous-même là, votre sang, vos différents sangs qui sont venus aujourd'hui, qui ont pris notre pays en otage, ce sont eux-mêmes là qui sont en train de vous combattre. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens de souche vraie. C'est vous-même là, vos propres frères et sœurs, les Kandia Camara et consorts, tous ces étrangers aujourd'hui qui ont fait de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire, ce sont eux là, les Ivoiriens nouveaux, qui sont en train de vous combattre. C'est ce qui est marrant dans tout ça. Les Ivoiriens actuellement là sont en train de regarder faire. Jusqu'au jour où, et ça va arriver, c'est ça qui est la vérité. C'est vous-même là, vos propres frères et sœurs, Guinéens, Burkinabés, Maliens, Camerounais, c'est-à-dire un peu éparpillés, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire ici, qui veulent faire de la Côte d'Ivoire leur royaume là. Ce sont eux qui sont en train de vous combattre. La Côte d'Ivoire est devenue pour eux. La Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Mais toujours, je le dis, tout finit par finir. Et tous ceux qui ont eu donc ce genre de comportement-là, nous savions tous ici comment est-ce que ces gens-là ont terminé. C'est pourquoi, quand on vous interpelle à un moment donné, ressaisissez-vous avant que le pile ne vous arrive. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Partagez la vidéo Afrique de la Liberté, mettez les pouces bleus, mettez le cœur. Envoyez cette vidéo partout. On va rapidement écouter, en tout cas, cette vidéo par rapport au comportement. Au comportement inexplicable de Alassane Dramane Ouattara et ses moutons depuis la Côte d'Ivoire envers nos frères et sœurs, envers les différents pays de la sous-région, par rapport à Ouattara lui-même,
qui est en train de creuser sa propre tombe. Je sais aussi que la vérité, Gbagbo Laurent dit, et tout à l'heure vous allez écouter en tout cas la vidéo, quelqu'un qui a vu, en tout cas un chien qui a vu un lion, et puis un chien qui n'a pas vu de lion, n'ont pas la même manière de courir. Voilà, tu veux comprendre, tu veux savoir pourquoi Gbagbo Laurent a dit ça, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à cet imposteur, par rapport à ce menteur, ce détracteur, ce terreau qui, depuis la Côte d'Ivoire, est en train de vouloir mettre la main sur tout, mais qui va, en tout cas, rapidement l'échapper sans que lui-même ne se rende compte. Écoutons la vidéo et à tout à l'heure. Qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Parce qu'ils ont utilisé les Burkinabés pour arriver aujourd'hui au pouvoir. Ils décident de vouloir de pas braquer les Ivoiriens contre les Burkinabés. Aucun Ivoirien va tomber dans la manipulation, dans l'instrumentalisation de Ouattara et Sassmala. Aucun Ivoirien ne va s'en prendre à un Burkinabé. Jamais. Ce Ouattara et ses bras séculiers qui veulent ne pas créer une tension entre le Burkina et le Mali, entre le Burkina, le Mali et le Niger, à travers la Côte d'Ivoire. Personne ne veut de tension. Lui qui a manipulé à souhait, n'est-ce pas, les nordistes, va atteindre un objectif. Je suis du Nord, mais je ne vais pas être candidat. Lui qui a eu le soutien du Burkina, le lait maternel du Burkina, la bouche du Burkina, la nourriture du Burkina, lui aujourd'hui décide de s'en prendre au Burkinabé, en allant en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas de ces pièges-là. Que le Burkinabé reste tranquille. Qu'il reste tranquille et sain. Aucune revanche. Non. Il veut voir train de s'aimer une guerre avant de partir. La poutine doit être brûlée. Quelqu'un à son âge, plus de 80 ans, refuse de faire un testament politique. Et à sa mort, il veut que la Côte d'Ivoire soit en déclaration. Il veut une crise totale en Côte d'Ivoire entre les uns et les autres. Mais nous ne rentrerons pas dans le piège de ce monsieur-là. La manipulation, la perfidie. Nous ne rentrerons pas dans ce jeu de ce Machiavel. Partagez et vite. On va essayer de faire cette vidéo du président Gbagbo Laurent. Monsieur le président, nous vous convoquons ici depuis votre position. Pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et que le drapeau du Burkina Faso a été hissé, n'est-ce pas, à Kong. Le drapeau de la Côte d'Ivoire a été descendu. Il faut convoquer ici. Il faut réquisitionner ces nouveaux patriotes ivoiriens qui nous demandent d'être amoureux de notre pays. Parce qu'eux sont venus au pouvoir. Et quand nous on les dénonce, ils trouvent qu'on est contre notre patrie. Il faut convoquer ces personnes-là. C'est les gars. Il faut les convoquer ici. Que ceux-là arrivent à les parler. Convoquer ces personnes-là. Sans technique, sans fond ni bas fond. Il faut convoquer ces personnes-là. Ces nouveaux patriotes de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont le drapeau de Côte d'Ivoire. Les nouveaux ivoiriens. Moi j'ai mon drapeau dans mon salon ici. Mon drapeau est là. Voilà. Moi j'ai pas une arrivée ivoirienne. Je l'ai ici chez moi. Et je porte et puis je vous critique. Parce que c'est ma patrie qui est là. Et à savoir ce drapeau que je vous fais ça dur. Vous montrez qu'on peut être ivoirien et puis on va vous dire la vérité. Vous n'avez pas la délaissance de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas les titres français de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le délaissance de la Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez nous mettre en parole avec nos frères du Burkina qui hier ils vous ont apporté un soutien. Vous ne pouvez pas vous ériger aujourd'hui en donnant des leçons. Nous sommes venus vous parler ici. On va convoquer ici le président Gbagbo Laurent. Monsieur le président, qu'est-ce qui s'est passé? Et que M. Ouattara et ses partisans ont mis le drapeau du Burkina Faso, n'est-ce pas, à Kong. On écoute ici le président Koudou, Laurent Gbagbo, le Woody de Nama. Monsieur le président, parce qu'ils m'ont reproché, et je reproche, qu'il a eu le drapeau qui a porté ce Kong, un drapeau d'un pays étranger. Et les partisans de Ouattara ont levé ce Kong devant les élections législatives. Les Ivoiriens ont reproché à Gbagbo que le drapeau du Burkina Faso a été levé si Kong. Kong, c'est en Côte d'Ivoire, c'est le nom de notre pays. Les partisans de Ouattara, les nouveaux patriotes qui disent qu'ils aiment le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils ont défendu ce drapeau-là, ils ont mis ça à côté. Le drapeau qui était levé dans notre pays, et ils ont jeté ce drapeau. C'est eux qui donnent des leçons malais sur Facebook. C'est eux qui donnent des leçons, n'est-ce pas, aux gens pour dire que les Maliens ont marché sur notre drapeau. C'est eux qui donnent des leçons aux gens pour dire que les autres n'ont pas le drapeau. Mon avis, c'est un policier français qui a mis le drapeau ivoirien dans la poubelle, ils n'ont pas pu parler. Ils ont fermé les mandibules parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la force de dénoncer. C'est des lâches. Ils peuvent seulement s'en prendre que le Burkinabé ou Malien parce que c'est des tribalistes, c'est des xénophobes, c'est des sectaires. Les plus grandes rivalités, ce sont eux. C'est la plus grande rivalité, ce sont eux. Il m'a demandé de dénoncer ceux qui ont mis le drapeau dans la poubelle. Il ne peut pas le faire, mais nous on le fait. Ils ont mis leur queue dans leur pantalon. Ils sont tous cachés dans leur atelier. Ils sont pour venir défendre la cause. C'est nos patriotes. C'est lâche, c'est manipulé, c'est pied plat. Ils ne peuvent pas le faire. C'est eux, quand Ouattara était dans l'opposition, ils ont osé prendre ce drapeau. Ce drapeau qui était en train de fouetter à tombe. Et ils ont descendu ce drapeau. Ils ont mis le drapeau du Burkina Faso. On va convoquer le président Gbagbo pour nous parler ici et maintenant. Ce patriote 2.0, c'est vous rien. Et que Guy, Robert, est à comment? Monsieur le président. Pour aller, on rêve drapeau d'un pays étranger. Parce que, ils m'ont reproché, et ils me reprochent, qu'il y a eu le drapeau qui a porté sur qu'on rêve drapeau d'un pays étranger. Que les partisans de Ouattara ont levé pendant les élections législatives. Et que Guy, Robert, est à Tabakouma, et que l'État ne fait rien. Pour aller, l'État n'a rien fait pour rétablir l'autorité de la République sur Congo et pour rétablir l'autorité de la République sur Tabakouma. Je voudrais vous dire, chers amis, qu'un chien qui a rencontré le lion ne court pas comme un chien qui n'a pas rencontré le lion. Si vous rencontrez les deux chiens à la lure où chacun court, vous reconnaissez celui qui a rencontré le lion et celui qui n'a pas rencontré le lion du tout. Notre pays a rencontré déjà le lion.
le sang, oui. Je suis sûr, maintenant que je suis à la fin de suite, que vous n'avez pas dit aux gens, allez tuer les amis. Je suis sûr que dans les débuts, vous n'avez pas dit allez tuer les gens. Pardon, s'il vous plaît. Mais quand vous donnez l'ordre à l'armée, à la gendarmerie, à la police, qui allait rétablir la paix républicaine, vous ne pouvez pas être garant de la manière dont cet ordre-là est établi. Regardez les militaires, regardez les soldats, regardez les soldats, regardez les policiers. Au-dedans de ces uniformes, ce sont des êtres humains. Dans l'uniforme, ce sont des êtres humains. Et j'ai la chance d'être des Gagnois et d'avoir appris beaucoup. D'être des Gagnois, après le drame, j'ai été arrêté et mis dans l'armée. Voilà. Donc j'ai écouté beaucoup de soldats. J'ai appris de la part des soldats, quand j'étais à Séguéla, puis quand j'étais à l'EFA, que beaucoup de soldats avaient peur de rentrer même dans la brousse que Dieu. Et les exactions viennent même souvent des peurs que les soldats ont eu en disant. Quand tu as peur, tu marches entre beaucoup de gens et tu es à 52. C'est ça. Ok. Est-ce que ayant connu ce traumatisme dans les Saoudis et dans les Kébiers, j'allais ordonner au paracommando de descendre chez vous. Je pouvais donner l'ordre. L'ordre était légitime. Écoutez. Mais peut-être que nous serions maintenant en train de dénombrer les morts chez vous. Est-ce que, à mon âme et conscience, je peux donner l'ordre au paracommando de descendre chez Kabakouma et de ramener Gay? Je peux donner l'ordre. Ils sont prêts à le faire. Mais nous allons être en train de déplorer les morts inutiles. L'histoire du Congo s'est achevée comme elle devait s'achever. Dans le retour tranquille, et sans voir dans la République. Et l'histoire de Kong s'est terminée, s'est achevée. Dans la République, le retour tranquille et sans gloire. D'abord à Paris. Qui pourrait mettre des commandos à Kong? Qui a descendu le drapeau du Côte d'Ivoire à Kong? C'est les partisans de M. Ouattara. Selon celui qui ont accusé les autres d'être des humanitaires. Alice a commandé la plus belle. C'est eux qui ont descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong. C'est eux qui ont descendu aux autres. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été amoureux de notre pays. C'est les falsificateurs, c'est les situations professionnistes. C'est un danger, c'est les terroristes, ces personnes-là. Ces drapeaux-là n'ont jamais été dans leur cœur. Il faut leur dire ça. Ils n'ont pas le droit de parler devant les gens quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont été disqualifiés. Ils sont pas des âmes damnées, ils sont une déchéance. Parlons de ça. C'est même le renégat. C'est que ce sur la toile pilule. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui s'en prend au Burkinabé, qui rentre au Burkinabé puis qui les envoie, n'est-ce pas, en masse. Il est reparti au Burkina Faso. Il y a un problème de fond et de forme. Qui est M. Ouattara? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Mais même au Burkina Faso, aujourd'hui, je vous parle. Allez où je vous parle. Mais il y a l'association des petits enfants de Diamant Ouattara, son père, au Burkina Faso. C'est ce Burkina qui ne donne pas le lait, le sang, les liens nucléaires. Ils sont aujourd'hui. C'est pas beaucoup payé. Quelle ingratitude de ce monsieur vis-à-vis de ce pays. Avez-vous entendu que les Burkinabés ont été raflés, comment dirais-je, au Sénégal? Vous avez été raflés, comment dirais-je, au Bénin? Même si nous dénonçons la posture dictatoriale, autocratique, despotique, de Macky Sall et de Talon, n'est-ce pas, au Bénin? Avez-vous entendu, et soit peu, que les Burkinabés ont été raflés, mais c'est encore du voir seulement. Que M. Ouattara s'arrange de toi, de faire arrêter les Burkinabés en masse. Il les traque par des policiers, des militaires. Ils sont raflés. Et puis, n'est pas expulsé au Burkina Faso. Mais le Burkina, pour lui qui a tout eu du Burkina Faso, il le dit encore. Ouattara a tout eu du Burkina Faso. C'est pas une échappée à ses frères du Burkina. On peut être si ingrat, non, ça ne m'étonne pas, monsieur, messieurs. Je peux être supplié encore une fois de plus, mais ça ne m'étonne pas. Lui qui a rendu Guillaume Soro aujourd'hui apatride. Guillaume Soro aujourd'hui est un entraîneur de rebelles. Lui et Sasmala, une bande de lettrés, de manipulateurs, une bande, n'est-ce pas, de moutons, de paluches. Guillaume Soro aujourd'hui qu'on appelle rebelle. Lui qui a donné sa patrie pour sa rébellion, qu'il a financé, monsieur Ouattara, à hauteur de 25 millions de francs par mois. C'est rébellion qui était logée au Burkina Faso. Sous le magistère du président Blaise Compaoré, à l'époque, ça a été venu attaquer la Côte d'Ivoire. On est tous témoins de cela. Guillaume Soro aujourd'hui, il est où? Il est en exil, condamné à double peine, 21 perpétuités. Où se trouve aujourd'hui Soutoussoul? Soutoussoul est en prison aujourd'hui, qu'on est à 20 ans. À cause de quoi? Au nom du sacro-saint principe, Soutoussoul doit couper le cordon ombilical d'avec Guillaume Soro. C'est M. Ouattara qui l'a fait. Où est Herman? Où est Jean-Baptiste? Où sont tous les compagnons de joie de lui du président Guillaume Soro qui ont fait la rébellion? La plupart sont de ne pas sous terre, ou bien sont en exil. Où est le commandant Ouattara? Il est aujourd'hui où? Il est 6 mètres sous terre. Il n'en fait pas ce n'est pas. Oui, c'est l'ingrat qui est fait aujourd'hui à la tête de ce pays. Tous ceux qui n'ont donné pas leur corps, leur jeunesse, leur âme, leur sang pour leur combat sont aujourd'hui même amputés. Deux sont aujourd'hui amputés, ils sont aujourd'hui en exil. Ils ont fui le pays, ils sont traqués. Où se trouve, n'est-ce pas, l'honorable Issa Kafofana? Il est en exil. Où se trouve Afusaka Malamine? Elle est en exil. Où se trouve Kole Dibona? Il est en exil. Où sont les compagnons de Guillaume Soro? Ils sont soit traqués, ils sont soit en exil, soit en prison ou bien 6 mètres sous terre. C'est ça la récompense de ce monsieur ingrat. Oui, de ce vieux ingrat. C'est ça le concept là. Et donc, vis-à-vis du Burkina Faso, sa mère patrie, sa tante patrie, sa chère patrie, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris de voir de pas le comportement de ce monsieur vis-à-vis du Burkina Faso, qui est sa patrie, qui est sa terre, et qui est aujourd'hui, il a peut-être encore des salis. On va écouter ses petits frères, ses neveux qui sont Burkina Faso. On va les écouter ce qu'ils ont à nous dire. Donc, on n'a pas la force de dire à l'État, ce monsieur, il faut, n'est-ce pas, les genoux flexion devant lui. On n'a pas peur de dire à l'État parce qu'il n'y a rien. Il était dans ce bateau, il est fait cadavre. On s'en fout de ce monsieur. Je vous le dis. On n'a pas peur de demander. Il est absolument rien. Il n'est pas peur de lui parce qu'il est bien. Il est absolument bien créé. C'est un être humain, c'est un mortel. Et nous allons lui cracher la vérité dans le visage. Ce n'est pas ces petits moutons qui sont sur la table qui vont nous effrayer. On a affaire au Bukhafa. On va s'écouter ici ses petits-fils au Burkina Faso. C'est le bon cousin. La lutte contre
contre le terrorisme passe aussi par le renforcement des capacités des forces engagées sur le terrain. C'est pourquoi 20 motos sont remises à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. On a une bonne volonté qui avait voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts. C'est nous, donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, à PDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Yeah. L'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui-même ses cousins qui sont au Burkina Faso sont reconnaissants. Ses neveux qui sont au Burkina Faso sont reconnaissants, mais il n'est pas reconnaissant. Ses neveux, l'alliance des petits-fils de Alassane Ouattara, là. C'est ses neveux. J'y vais une seconde. Oui, ça va bien? Ok, vas-y. Allez. Alors. C'est le petit voisin. Donc, je continue ma vidéo. L'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, c'est pas une invention. Vous l'avez entendu? Quand ils traitent les autres étrangers là, il faut leur dire que nous on n'a pas d'association d'étrangers, n'est-ce pas, en Guinée, au Mali, au Burkina. Nous ne les dit pas que nous avons nos origines, parce que nous ne sommes pas des Vénégas, nous ne sommes pas des ingrats. Ceux qui veulent cacher d'où ils viennent là, voici ici l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Ces petits, ses propres frères sont là-bas au Burkina. Ils sont reconnaissants que le pays est en insécurité. Ils font aider le Burkina Faso, mais ils ne le font pas. Parce que à ce bout là-bas, c'est leur village, ils sont là-bas, on va l'écouter encore. De l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, à PDO. Mm-hmm. Un moment de retrouvailles, de festivité, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà. Par ailleurs, les petits-fils de l'actuel président de Côte d'Ivoire, ils ont remis des motos au commandant de la gendarmerie de l'époque, à Saint-Doux, pour dire voici les motos, pour aider la n'est-ce pas, les forces de sécurité pour la sécurité du Burkina Faso. C'est le fait. C'est lui aujourd'hui qui envoie, n'est-ce pas, les policiers et les militaires pour aller rafler les Burkinabés au pour les envoyer au Burkina Faso. Mais c'est lui même qu'on a au Burkina Faso. Et puis j'entends ces militants nous dire que Ouattara doit être, on doit le rendre, comment dirais-je, le roi de la Côte d'Ivoire. On a vu ici un maire de Côte d'Ivoire nous dire que Ouattara doit être le on doit le couronner comme étant le roi de la Côte d'Ivoire. Mais le Moro là-bas, c'est pas un problème. Mais si Ouattara sera le roi d'un pays là, ça sera à Saint-Doux. Parce que son père était là-bas à Saint-Doux, son père était roi de Saint-Doux. C'est ce qu'il ne sera jamais le roi de Côte d'Ivoire. Il faut lui dire ça. C'est revenu là, son rêve, il rêve debout là, où il va être le roi de Côte d'Ivoire. Il faut dire à Dramane Ouattara. Mais si lui veut être roi d'un pays là, c'est à Saint-Doux qu'il va être roi. On va demander au capitaine Traoré de délimiter Saint-Doux en royaume. Et puis on va le jeter là-bas. Il sera là de Saint-Doux. Il sera jamais là de Côte d'Ivoire. Vous êtes malade. Qu'on va être le roi de Côte d'Ivoire. Ils ont pété la bouche peut-être ou quoi. Ou bien vous devez le prendre au sommet. Parce qu'il a organisé une belle canne. Vous allez être le roi de Côte d'Ivoire. Vous êtes là. Ils ont soufflé les langues de votre cerveau. Ou bien vous avez décidé pour le massif. Ou bien pour le marteau dedans. Qu'on ait le roi de Côte d'Ivoire. Il sera le roi de Côte d'Ivoire. Il sera le roi de Saint-Doux. Bande d'imbéciles là. On continue les gars. Il faut que vous attendez ça très bien. Il sera pas roi de Côte d'Ivoire. C'est à Saint-Doux là-bas. Il sera de Saint-Doux. Vous pensez que TikTok a de des élèves là, vous partez votre temps à prendre des élèves ici là, qu'on n'a pas été de Côte d'Ivoire. Son père est à Saint-Doux, il est là-bas à Saint-Doux, il est là-bas à Saint-Doux là-bas. Pourquoi il cherche ce frère Burkinabé? Il n'a pas cherché le Burkinabé de Côte d'Ivoire, c'est pas le Burkinabé qui a pris le pouvoir Côte d'Ivoire. C'est pas le Burkinabé qui a pris le pouvoir Côte d'Ivoire. C'est pas le Burkinabé qui avait sa rébellion. Aujourd'hui, il ne veut plus le Burkina Faso. Ah bon? Attendez. Donc aujourd'hui, il ne veut plus le Burkina Faso. C'est pas la rébelle là, vous devez pas le pouvoir Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne veut plus le Burkina Faso. C'est pas le Mali qui est réfugié. Il ne veut plus le Mali. On vous dit la vérité. Vous pouvez manipuler les gens. C'est les esprits candidats que vous allez manipuler, sinon nous sommes allés. Voilà, on le connaît. Quelqu'un qui montait ici, qui avait les avions, il avait les bateaux. D'après, il était abruti. Un rien, un galèrement. Fait un poignon. Quand il y a avion et la bateau, fanatique là-bas. Il est venu pouvoir te fouler les milliards d'États de Côte d'Ivoire. Nous en merde qu'on occupe la Côte d'Ivoire. Amati Kadamo. Vous passez votre temps à insulter les malades pour créer. Mais sinon, on va vous dire la vérité. On ne savait pas. Ah, pas d'amitié. On va essayer de couper un compte de vidéo. Burkinabé, c'est votre fils qui est en train de s'apprendre à vous. Il faut convoquer l'âme de vos ancêtres. Il faut convoquer l'âme de vos ancêtres pour montrer ça à vos ancêtres. Que c'est votre fils à qui vous avez tout donné là. C'est lui qui est en train de s'apprendre à vous en Côte d'Ivoire. Votre fils qui est parti aux États-Unis, comme n'est-ce pas, Voltaïque, c'est lui aujourd'hui. Lui qui a travaillé à la BCAO, au FMI, partout. Il s'est marié avec Dame Barbara. Ce vieux, le vieux Picou, Dame Barbara Lévis aux États-Unis. Lui qui conduisait un taxi aux États-Unis. Lui qui a travaillé à la BCAO, FMI, je ne connais pas comme Burkina de Voltaïque là. C'est lui qui s'en prend à vous. On va essayer d'écouter le président Babou Loura. On va écouter Babou Loura. Il va nous expliquer qui est Ouattara. Il vient d'où. On va écouter ça. Mais ça, Babou Loura, je vous appelle, monsieur le président. Venez ici, on va dénazifier le mouton de Ado. Le mouton, n'est-ce pas, du vieux ingrat. L'homme qui s'apprend au Burkina Faso, qui s'apprend à bien sur le sous là. On va lui dire sa vérité. Ils ont son vrai nom. Comment il va être le roi de Côte d'Ivoire? Allons, Mandelon. Battra le même, battra bien. Il y en a qui disent que Babou n'aime pas les trucs parce qu'il n'aime pas la salle. Mais il faut que nous expliquions ce qui se passe. Nous avons eu. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Bijan. Je l'ai dit à Odé. Il faut t'apporter, s'il vous plaît. Partagez la vidéo ici. Je vais voir les gens me partager ici. Parce que je cherche. Je vais te partager cette vidéo là. Partagez-moi cette vidéo là. Parce que je ne vais pas laisser mon rôle là. Partagez-moi cette vidéo. Attends, on a pris le partage là. Oh. On a besoin de partage. Continuez de partager. Mettez le cœur. Mauvais partage sur Facebook.
Voilà. Allez sur mon petit cœur. Mettez le cœur. Partagez. T'as compté, t'as compté, compté. Montez la vertu. Ah, montez. Ah, on est après les 1000 personnes, c'est bon. Partagez. Montez les vertus. Il fait pas chaud. Oh, ben, pas sauté. Parce que vous avez attaqué les malades, les bouquets, vous m'avez dit, on va faire ça entre nous maintenant. C'est nous, on va faire. Parce que nous, on est au RDO. C'est pas les militaires de la V5E qui vont nous effrayer. C'est pas les militaires de la V5E qui font les vidéos et qui disent, non, on est pas nous là. Ce n'est pas ça. C'est nous, on va faire ça entre nous. Parce que nous, on connaît ça maintenant. Nous, on a habité dans les RDA. Nous, on a donné notre argent, notre finance pour les RDA. Donc, on a mis un chien qui a dit, on va faire. C'est tout, on va faire ça entre nous. C'est pas les bouquets qui vont vous répondre. C'est nous, on va vous répondre. C'est pas les bouquets qui vont mettre les caméras pour vous répondre. C'est nous, on va vous parler de quelle est. Bon, bataille la vidéo là. On a quoi de bataille maintenant? On a 237 partages. Bon, t'as 250 partages. Les gens se rendent partage. J'arrive 10 secondes. Pendant l'étape, j'arrive 10 secondes. Je vois. Merci. Tiens. Tu as bien? Comment la porte? Comment la porte? D'accord. S'il te plaît. Voilà. Les enfants, ils emmènent les gens. Non, c'est pas. Tu as bien la porte là, dis donc. On va convoquer ce Lydie, comment? On va convoquer ce Pierre Babola. Il faut qu'il nous explique. Lui, qu'on dit que Babola, il n'aime pas les Burkinabés. Ah, donc Babola aime les Burkinabés? Le monde là, la vie là, il faut voir pourquoi. C'est sur la salle d'attente, je dis qu'on rafle les Burkinabés pour d'abord le Burkina. Il fallait vivre pour voir. Voici la vérité qu'elle a aujourd'hui. C'est sous Alassane Ouattara aujourd'hui qu'on rafle, n'est-ce pas, les Burkinabés pour les envoyer au Burkina. Babo, pardon, le père, on ne demande pas pardon. Nous te demandons pardon. Vraiment. Nous qui avons péché par ignorance vis-à-vis de toi, on demande pardon. Nous qui avons manqué de respect hier, nous te demandons pardon. Président Babo, mon père, c'est ton fils de Paris. J'ai été te voir à la CPI. Papa, je t'ai vu dans les liens de la captivité. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de ne pas m'entendre là, n'est-ce pas, à vous, monsieur le président. Un jour, mon anniversaire, votre épouse m'a appelé pour m'adresser les joyeux anniversaires. Et vous étiez auprès d'elle. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. J'étais là ici seulement à vous demander pardon. Nous avons fauté, péché. Plusieurs fois, je l'ai fait. C'est pas la première fois que je l'ai fait. Parce que quand tu ne connais pas ton péché, n'est pas ta faute, Dieu même s'il était. Nous sommes dans le mois de carême. Non, n'est pas le temps, n'est pas du carême chrétien. Il est bon aussi devant la loi, devant mon esprit et devant Dieu de renouveler encore ce pardon-là. Ce qui n'est pas compris, finira par comprendre. Vous avez dit, vous me commentez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas honte de vous demander pardon. Parce que nous vous avons offensé. Nous vous avons humilié. Nous vous avons insulté. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. Aujourd'hui, nous avons compris. Aisément, monsieur le président. Ceux qui sont proches du Pierre Babola, je réponds auprès de vous, monsieur le président. Mais c'est vous. C'est que vous allez passer cette vidéo-là un jour. Et vous allez entendre le corps qui va arriver à vous. Dites pardon, Pierre Babola, tu vas pas. Dites-lui pardon. Que son fils de Paris demande pardon. Pour tous les mots que j'ai pu dire de travers. Je l'ai fait plusieurs fois, ces pardons-là. Mais je renouvelle encore ces pardons. Parce que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais écoutez la Bible. Dans cette Bible, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, tu parles à connaître la voix devant toi aujourd'hui et puis dis que Babylone, tu ne vois pas pardon. Que le RDR qui était dans une traque, n'est-ce pas, de communication pour terminer l'image de ce pouvoir de Babylone. Aujourd'hui, la vérité est là. On n'aime pas les musulmans, on n'aime pas les Burkinabés, on n'aime pas les Maliens. Mais qui aujourd'hui rafle les Burkinabés aujourd'hui? Qui aujourd'hui rafle aujourd'hui les Burkinabés à Côte d'Ivoire? C'est le pouvoir de Ouattara. Il fallait vivre pourquoi? Donc, Babylone encore vivant. Le président de Dieu est parti. Monsieur le président, pardonnez-nous. Vous avez été pas divinitaire. Non. On voit aujourd'hui qui sont les frères divinitaires. Qui sont en train de Maliens à longueur de journée sur des panels. C'est farfelu, n'est-ce pas, c'est ces enfants, n'est-ce pas, ces enfants bâtards identitaires. Je dis encore ces bâtards identitaires, qu'ils aillent voir dans le dictionnaire, des bâtards identitaires, parce qu'ils ne savent pas où ils viennent. Monsieur le président Bidier, nous vous demandons pardon. On a fauté par ignorance. On a fauté parce que nous étions instrumentalisés. On a entendu, n'est-ce pas, les sirènes, n'est-ce pas, des bonimenteurs, des gens qui disent qu'ils viennent de Washington et de New York, des falsificateurs, même de leur propre identité. Nous vous demandons pardon. Et avec humilité encore, moi, votre fils de Paris, je vous demande pardon. À tous ceux que j'ai pu offenser, directement ou indirectement, par mes propos vis-à-vis de Pierre Babola, je vous demande pardon. Le Burkina aujourd'hui qui ont également, comment dirais-je, fauté vis-à-vis de vous, ils vous demandent vraiment pardon. Parce que la vérité est là aujourd'hui. La vérité est là. Elle finit par jaillir. Tu peux fermer la vérité dans un coffre fort. Et les mensonges vont être propagés. Mais la vérité va casser le coffre fort. Et elle va aller jaillir partout. La vérité est là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 18, je ne me trompe pas le 19, après mon calendrier. Le 18 février 2024. On est exactement à 18h41. 18h35 de Paris. Je m'en pardonne pour le Babola. Pardon mon père. Parce que la vérité qui vient déjà lire. Les Burkinabés qui sont raflés en Côte d'Ivoire. Et chassés, n'est-ce pas, au Burkina par le pouvoir de M. Ouattara. Boaké, ils sont traqués. Gagnon, ils sont traqués. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Le combat que j'ai fait contre toi avant là. Mon argent que j'ai pris. Et puis j'ai mis dans le fait de RDR. Pourquoi ton pouvoir tombe là? Je m'en pardonne. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire ce que je pense. Parce que moi, mon juge, c'est ma conscience et Dieu. Ma conscience est Dieu. Parce que Dieu va me juger et ma conscience également va me guider. Me juge. Et donc, je vais être à l'aise avec ma conscience.
que nous avons fauté vis-à-vis de Maboul, que c'est nous, sous notre pouvoir de RDR, qu'on va arrêter les Burkinabés, les rafler, nous avons Burkina, il fallait vivre pourquoi. Kamara H n'est pas vivant, il ne va pas voir. Ouattara n'est pas vivant, il ne verra pas ça. Amadou Kou ne verra pas également. Ambad ne verra pas. Que ce soit le pouvoir du RDR, on rafle les Burkinabés, et puis on met des panels en nombre de journées pour semer la haine entre les Burkinabés et les Maliens. Par qui? Par des enfants, mais ce n'est pas de bataille identitaire. Je dis encore, bataille identitaire. Parce que Yorombali, au moins le nom. Yorombali, au moins le nom. Attends, bloquez ça, disons. Bloquez ça. Voilà, bloquez ça. Tu vas poser la question à ton papa. Tu vas poser la question à ton père. Tu as voté pour partager. Oui, je suis venu. C'est ton bon nom à acheter. Batalade, à compliqué. Tu as voté là-bas. Je vais vous montrer. On va convoquer le président Bamboul. Parce qu'il a parlé, il a parlé longtemps, on n'a pas écouté. C'est aujourd'hui maintenant, on voit la vérité. Mais vous qui êtes aujourd'hui en train de me citer, vous aurez de vos yeux pour pleurer un jour. Vous aurez vos yeux pour pleurer face au mensonge. Quand vous n'avez pas le pouvoir, à Bébé Nakassia, vous tous allez pleurer ici. Continuez de les suivre aveuglément. Mais vous êtes aujourd'hui, moi je pense avec vous. Moi je suis libre. L'histoire est une personne qui n'est pas complice et comptable de vos actes posés contre les Ivoiriens. Moi je ne suis pas comptable de vos actes. Faites des gestes. Aujourd'hui, moi je suis libre. Moi je n'ai pas de problème. Je me suis libéré de vous. Toi tu m'appelles, t'es bloqué. Hein. On va convoquer le président de Bamboul. T'as côté, partagez s'il vous plaît. On continue. Aujourd'hui, on a quitté Bamboul n'aime pas les droits parce qu'il n'aime pas la salle. Mais il faut que vous expliquiez ce qui se passe. Le champion, le champion, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Bijan, je l'ai dit à Odjeli, je l'ai dit à Ma, je l'ai dit à Poitain, je l'ai dit à Sambero, et je vous le dis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du là. Écoutez bien. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Ok. Premièrement, écoutez bien. Quand Babo parlait là, nous on n'écoutait pas. On a dit que Babo n'est pas Ouattara. Il a fait des meetings pour nous expliquer. Et Mme dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous, là, on était omnibulés, embrigadés, aveuglés par le fait de dire, nous sommes du Nord. Ouattara, c'est notre champion. Mais aujourd'hui, là, nous, on voit clair. Nous, on voit clair dedans. 99% des mobiles voient clair dedans. Ceux qui sont en train de voir celui-là, ne voyez pas un petit noyau, là. Un petit noyau qui est au pouvoir, là. Ceux-là, c'est entre eux. Et puis, là, regardez comme ils sont, c'est un petit noyau. Les lobbyistes, ils sont en train de tirer les gars par la queue. Ils savent de quoi ils parlent. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de faire vidéo comme moi. Il y a certains tarés, certains perdus qui ont envoyé la porte, certains béliers. Sans fond, quand on vient à parler, on donne n'est pas de miettes, des 500 euros, des 1000 euros pour qu'ils puissent manger un peu, c'est tout. Des pauvres euros, c'est tout. Moi, c'est ça, ils n'ont absolument rien. Ils attendent que les ministres puissent donner de quoi manger, c'est tout. Sinon, ils n'ont rien. C'est la question. Sinon, on va trouver le pouvoir. On va trouver le pays, et puis tu vas investir. On va trouver le pays qui a fait des projets, mais des idées, pour pouvoir. On va trouver le pays, c'est peut-être bon. Mais c'est vous qui nagez comme des dauphins, comme des baleines. Vous faites combattre avec les militaires dans la mer, dans la Méditerranée pour venir à Chandron. Restez dans le pays, et maintenant, la pointe, depuis à l'air et le miel, vous faites combattre dans la Méditerranée avec les Syrus. Tellement que vous voulez, n'est-ce pas, nager, vous n'avez plus que. Les deux, les vous attaquent, mais vous faites combattre dans l'eau, sous l'eau. Comme si vous n'êtes pas sous l'eau. Pour venir en Europe, vous sortez avec les traces de combat. Sans identité, il n'y a même pas de traces de combat chez vous. C'est vous qui allez nous donner des leçons ici. Vous nous vendez pas un pont, une rêverie. Vous nous vendez une chimère sur la toile ici. Qu'on n'a pas de paix. Et notre pays, nous avons le monde ici, à la paix. Et notre pays, nous l'avons. Alors, Afrique de la liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers peuples d'Afrique. C'était l'intervention de votre serviteur, l'Amiral Bafet. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée de mardi 20 février 2024. Partagez la vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous tout simplement et ensuite activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble et on sera toujours ensemble comme ça pour d'autres directions. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de ce direct. Bonjour chez vous.